Salut à tous, c'est Diego. On se retrouve pour un nouveau let's play de Max Payne 2. Donc je voulais vous laisser un peu le thème principal, qui est toujours aussi magnifique, cette fois joué au violon. Et donc, espérant que tout va bien se passer pour ce let's play, donc j'ai juste fait un petit test là. Donc évidemment, on peut jouer qu'en flic pour l'instant. Et c'est parti. Edges yawning at your heels. Your only chance is to turn around and face it. We are at the sea. Repeat, we are at the sea. But it's like looking down into the grave of your love. Check the area. Hold your fire. Or kissing the mouth of a gun, a bullet trembling in its dark nest, ready to blow your head off. We're losing him. Multiple gunshot wounds. Pupils blown. Head trauma. God only knows what else. He's in shock. Start 2 large-bore IVs. Get him to ICU. He's not responding. This guy is a train wreck. We're losing him. When I woke up in the hospital earlier tonight, I thought it couldn't get any worse. I opened my eyes, and everything slid into focus. She was dead. I was hurt. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. I had to run, get as far away from it as possible. The world was out of joint. I was hallucinating. I had to get away. Max, the route's clear. Donc on se retrouve dans le jeu, on sait pas trop ce qui se passe hein. Donc on est à l'hôpital, enfin, on était dans un accident, on sait pas trop quoi. Tac, une Steeler. Apparemment une femme est morte, on sait pas trop qui. D'après les souvenirs de Max. Et donc on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc là, ça fait plaisir d'avoir le jeu en VO, donc c'est très français, sans que j'ai eu besoin de toucher à rien. Ils sont pas trompés sur le 2. Tac. Alors moi, faut savoir que je joue en... Je suis sacrifié pour vous, je joue en écran. En plein écran. Enfin, c'est à moitié sacrifice, parce que c'est à moitié mieux que le... Que l'écran fenêtré, sauf qu'en écran fenêtré... vu que je joue en 1280x720, j'aurai les... Enfin, du coup là j'ai les textures, enfin les pixels sont un peu agrandis, vous voyez, parce que je suis en 1180x1050 plein écran et je joue avec une résolution 1180x720. Donc pour vous c'est net normalement, enfin c'est net. C'était Mona hein, qui la hante, on sait pas toujours si c'était sa sœur ou elle qui était morte au début. There was a blind spot in my head, a bullet-shaped hole where the answer should be. Enfin, je sais plus si on sait ou pas, mais I wanted to dig inside my skull and scrape out the pain. Ouais, bref, donc vous sera plus ou moins net hein, après que j'ai recompressé la vidéo. Mais bon, bref, là je suis en plein écran, donc normalement ça devrait réduire les pertes de performance de la carte graphique due au mode fenêtré. J'espère que la luminosité ça va, le son ça va. Je verrai bien. Alors du coup, comme je suis en plein écran, je peux pas savoir
le temps. Donc je me disais que j'allais remettre le système d'alarme, mais là, en fait, à chaque fois chercher une nouvelle musique, la reconvertir au bon format, etc., ça me prenait 10 minutes à chaque fois. Donc je pense que pour l'instant, je vais garder une alarme toute simple. Je verrai plus tard si je mettrai des alarmes mystères, on verra. Pour l'instant, c'est une alarme toute simple qui ne correspond absolument à rien. Enfin, si, ça correspond au début d'une musique du Magicien d'Oz, mais c'est tout. C'est un petit son. Donc, où est-ce qu'on en est? Téléphone. Bon, c'est un inspecteur femme qui est morte, qui est donc à la morgue de l'hôpital, pardon. On va essayer d'aller voir ça. Où est-ce qu'il faut aller? Là. Alors, c'est quoi ça? Un médecin civil, plutôt civil, avec un pistolet, ouais, plutôt. Freeze, NYPD. Found him. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est un bandit ou c'est un policier? Voilà, petit bullet time, bien sympa. Qui s'écroule. Tac, merde, j'enlève. Ah si, c'est un garde ça. On dirait. Garde de l'hôpital peut-être. On peut le frapper. Tac. Ah. La physique est un peu mieux que dans le premier, évidemment, les graphismes aussi. She's one of them. She's here to kill me. Back off, Payne. Winterson. Alors, je crois que c'est elle, l'inspecteur, donc c'est peut-être elle qui est morte. Et donc apparemment la nouvelle après Mona. Mona qui est apparemment vivante donc. Enfin, qui était vivante en tout cas à ce moment-là, on sait rien. Si elle est toujours vivante ou pas. Tac, on regarde un peu les placards. Alors je suis toujours en flic, théoriquement je devrais pas avoir de problème, hein, mais j'en ai eu beaucoup dans le premier. Et si je faisais le pari de finir le jeu sans crever moins de 10 fois. Faudrait que je me concentre vraiment. Bien que je sois en flic, évidemment, à cause de l'effet let's play. Mes performances sont toujours catastrophiques. Là, on a une série télévisée. Je vais vous laisser regarder. Ah génial, bon alors je vais arrêter la vidéo dans pas longtemps. Bon, je sais pas si on va passer plus de temps dessus, parce que je sais qu'il y en aura d'autres dans le jeu, des épisodes de cette série télé, qui est complètement folle, hein, vous avez pu le voir. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo-là, donc c'était Dior, j'espère que vous allez apprécier cette play de Max Payne autant que moi, et je vous dis à la prochaine, ciao.